ça, ce bâtiment qui abrite cette expo fut le musée dynamique, donc qui a été inauguré en 1966 et qui a reçu Picasso et d'autres artistes étrangers et d'autres artistes africains et d'autres artistes sénégalais. Faites un regard sur le passé, parce que quand on regarde le patrimoine qu'on a trouvé ici, on a des œuvres de Ibn Ndiaye qui datent de 1966. On a aussi une œuvre de Seydou Bari qui a fait partie de l'exposition de la Biennale de Paris de 1976. Et quand on parle de Ibn Ndiaye, on parle aussi de la formation dans le domaine des arts visuels ici au Sénégal. Donc Ibn Ndiaye, il a été le précurseur. Donc c'est lui qui a mis en place l'École nationale des arts ici au Sénégal. Donc avec Pape Ibra Tall aussi et Pierre Lotz aussi. Donc Pierre Lotz aussi qui était dans l'autre cours, dans le courant de l'École de Dakar, si on peut le dire ainsi. Donc regard sur le passé. Ça nous permet, nous, de voir où est-ce qu'on est parti et ça nous permet aussi de nous projeter sur l'avenir, où est-ce qu'on veut aller et comment on va maintenant. Je pense qu'on pourrait se poser plein de questions par rapport à ça. L'évolution des arts visuels de Ibn Ndiaye à nos jours. Donc, je pense dans cette salle-là, dans cette expo-là, il n'y a pas que Ibn Ndiaye. Il y a Seydou Bari, il y a Moussa Tine, il y a toute une génération. Et en fait, au-delà de cette génération-là, donc c'est ce patrimoine-là qui a été trouvé dans ce bâtiment. Mais en même temps, il y a d'autres artistes qu'on a ajouté, d'autres œuvres en fait qu'on a ajouté à la collection qu'on a trouvée ici. Ces autres artistes qu'on a ajoutés, c'était aussi pour continuer par rapport à l'évolution de ce passé-là. Donc de Ibn Ndiaye, il y a Daouda Ndiaye qui est dans cette expo, il y a Ousmane Ndiaye Dago qui est dans cette expo, Ousmane Ndiaye qui est photographe, et on sait que la photographie n'était pas partie intégrante des arts visuels. Donc ça a évolué, donc du coup la photographie est à l'intérieur maintenant. Donc il y a un jeune, Babali, qui est dans cette expo-là. Donc je pense que ça nous permet un peu de retracer de ce passé-là, où est-ce qu'on en est maintenant. Satisfait, oui, par rapport au programme que j'ai mis en place, par rapport au programme dans lequel j'étais impliqué, je suis satisfait, totalement satisfait de tous ces programmes que j'ai mis en place ou dans lesquels j'ai travaillé. Un de ces programmes, c'est cette expo-là dans laquelle nous sommes, Art et Justice, Regard sur le passé. Donc, mais la Biennale, de manière générale, je pense qu'il n'y a aucune organisation parfaite. Hein. Donc il y a des choses qui ont été bien organisées, il y a des choses qui ont été mal organisées et il y a des choses qui ont été très mal organisées. Je pense que ça sera autour d'une table de voir, de réfléchir comment faire pour que ces manquements qui ont été observés lors de cette organisation-là, que la prochaine fois qu'on essaie de transcender ça et de mieux organiser en tout cas. Mais si on parle, moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà de l'organisation, c'est la direction artistique. Je pense que quand même, en termes de propositions, il y a de fortes propositions qui ont été faites. Moi, c'est plus cet aspect-là qui m'interpelle, qui m'intéresse. Donc, je pense que pour une fois, il y a quelqu'un qui est là, le directeur artistique, un Sénégalais, en l'occurrence Malick Ndiaye, qui a fait un excellent travail. S'il y a à saluer, moi, ça, je salue vraiment ce travail qu'il a eu à faire avec les autres qui l'ont accompagné, que ce soit Massa Mbambaye, qui a été au niveau du pavillon Sénégal. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Et la scénographie avec Khalifa Diagne, il y a tout un travail qui a été fait. Maintenant, des manquements, on peut en observer. Et il faudrait travailler, œuvrer à ce que la prochaine fois qu'on puisse faire de sorte que ça puisse se passer très bien.